vidéo me fait un pouce. Est-ce que vous pouvez me partager cela, s'il vous plaît? Je fais quoi? Vous partagez? Partagez le bas, s'il vous plaît. La rumeur court que tu prépares la guerre. Président mal élu et impopulaire. Clandestinement, tu fais rentrer des armes. Après les élections, il y aura du sang et des flammes. Bonjour, je suis ivoirien, j'aime bien les abonnés. Merci beaucoup, merci pour l'amour, on est ensemble. Sur nos enfants, sur nos mères, sur nos pères, et tu penses qu'on va te laisser faire? Non, t'es pas Dieu, t'es pas notre maître. C'est que tu vas apprendre à nous connaître. Pas besoin de conseiller ni de fétiche. Regarde sur les réseaux sociaux comment on t'insulte. Ce que tes oreilles ont entendu, tout est prêt, même ce que tes yeux ont vu. À mon avis, t'as déjà tout perdu pour cause de départ et tu nous en mets plein la vue. Ta politique c'est quoi à part l'exhibition? Tes cadets et toi devriez faire attention au soulèvement des populations. Le plus souvent c'est la mort. Partage là d'abord, femme actuelle, ça peut te faire ça. S'il te plaît, ce n'est plus assez vrai. Tu as détourné trop de budget. Il est impossible d'échapper au bout de palais. On va tourner la page, ce sera sans toi. On va écrire l'histoire, mais pas avec toi. Tu as beaucoup fait, ça suffit comme ça. Si tu restes au palais, tant pis pour toi. On va tourner la page, ce sera sans toi. On va écrire l'histoire, mais pas avec toi. Tu as beaucoup fait, ça suffit comme ça. On partage. Si tu restes au palais, tant pis pour toi. Qu'après tes serments, promettant le changement, nommer un gouvernement, travailleur émergent. Au lieu de cela, tu as placé tes gens. Des gens qui, à leur tour, ont placé leur gens. Incompétents à la cage, ça fait la plus le retour. Où sont les aides sociales, les 5000 logements, les indemnités non versées? Les protestations sont réprimées. Fonctionnaires sans salaire, nourris au café misère. Vous m'avez demandé, partagez d'abord le like, on va parler. On peut répondre aux besoins des enseignants. Sauver l'avenir de nos enfants. Tout le monde n'est pas prêt à faire sodomiser ce pays. Les gens et toi l'ont bien brisé. L'église te fait croire que ton pouvoir vient du ciel. Continue, tu vas. Partagez le live, s'il vous plaît. Je vais vous demander avec amour et insistance sur le fait de partager le live parce que quand on partage, ça arrive, ça touche plus de personnes et comme ça, beaucoup de personnes peuvent écouter spontanément ou bien stimulativement en même temps que nous au lieu d'écouter en différé. Voilà, ça permet aussi d'avoir l'interaction. Bonjour à tous, comment allez-vous? Bonjour chers tous, bonjour ceux qui me suivent là, présentement dans le live, et ceux qui vont me suivre en différé. Je suis Claire Newman, bien sûr, activiste gabonaise. Aujourd'hui, j'ai un cas à parler. Ça fait déjà un peu de temps depuis que j'ai repris un peu mes petites activités. Aller tourner ma tête qui est vide là un peu. Je n'ai plus vraiment le temps sur Internet. C'est hier soir, je vous jure, c'est hier soir que je prends connaissance de l'histoire de Rukula. Donc, je n'étais pas informée. Ça dit, si je ne sors pas trop de ma petite bulle pour regarder un peu ce qui se passe, je ne vois pas. C'est vraiment hier soir que je prends le temps un peu de m'asseoir sur Facebook. Et je n'ai pas arrêté de voir les publications sur Rukula. En fait, il y avait deux informations, deux actualités qui étaient sur ma fil. Rukula et le clash de Yando. Donc, je ne comprenais pas trop. Voilà, comment ce moment-là, je ne suis pas trop sur Facebook. Et puis, j'ai essayé de regarder, j'ai compris que Rukula est menacé. Et là, ça m'a fait beaucoup mal au cœur, ça m'a fait beaucoup mal et chaud et énervé, voilà. Du coup, je me suis calmée. Hier soir, je voulais faire le live. J'ai dit non, je me calme un peu, je vais voir dans la journée si je peux en parler, si je peux voir comment poser ma voix sur cette histoire, comment donner mon point de vue sur cette histoire-là. Voilà, donc, je vais vous demander de partager. Voilà, et partagez dans le groupe. Salut, nous sommes à la recherche de... Non, s'il vous plaît, ne faites pas trop de publicité ici, parce que nous aussi, là, on a un petit combat aussi à mener de notre côté. Voilà, donc, ne faites pas trop de publicité quand je parle là. Ne venez pas trop faire de publicité. Ce que nous remarquons avec le peuple africain, c'est que quand les activistes gabonais ou les peuples gabonais
sont en difficulté, on ne voit pas d'autres activistes d'autres pays venir soutenir les activistes gabonais. C'est toujours les Gabonais, on part ailleurs. Bon, ça, c'est pas le sujet. Donc, soit vous partagez pour comprendre ce que je vais dire aujourd'hui, qu'il y a un activiste gabonais, il y a un lanceur d'alerte gabonais qui est en danger. Vous nous aidez, vous nous rejoignez dans ce combat-là. Et puis, comme ça, tous les Africains, on essaie de faire un même combat unique. Soit vous me laissez parler, au lieu de venir parler de vos trucs-là ici, pardon. Moi, je suis plus là à faire des soutiens en sens unique, là, c'est fatigant à la fin. Donc, bien, je pense que vous tous, vous me connaissez déjà un peu. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tata Dérangée. Bon, ce sont les noms déjà que les gens me donnent comme ça. Mais sinon, je m'appelle Claire Newman. Je suis une activiste gabonaise qui lutte contre l'injustice et milite pour l'état de droit au Gabon. Alors, il y a un frère dénommé ici qu'on va appeler Bernard, qui s'appelle, pas qu'on va appeler, qui s'appelle Bernard Christian Rokoula, qui est en danger. Ah, qui est en danger au Gabon parce que bien sûr il est activiste, il dénonce les faits de société, il dénonce les entreprises françaises ou gabonaises, il dénonce bien sûr ce que nous tous nous faisons, bien que nous soyons à l'étranger, mais lui prend plus de risques parce qu'il est sur place. Il se trouve qu'il est en danger de mort, il se trouve qu'il est menacé de mort. Mon gros problème, mon gros hic, parce qu'on connaît déjà comment fonctionne le PDG, c'est-à-dire ils sont à la quête de toutes les têtes fortes de la résistance ou bien de l'opposition ou bien d'une conquête rébellion. Ils veulent bien sûr faire taire ces personnes-là parce que 2023 arrive, nous sommes à la veille de 2023. Donc, bien sûr, on va commencer à éliminer, on va commencer à mettre hors d'état de nuire, on va commencer à mettre... hors d'état de nuire, les personnes qui sont censées peut-être, qui ont un poids, qui vont peut-être faire bouger la population, qui vont faire bouger le peuple, qui ont un impact auprès du pays. Donc, on connaît déjà à peu près comment fonctionne ce gouvernement. Donc, ils ont commencé déjà à faire les intimidations, à faire les arrestations. Ça va bientôt, ça va être en masse, il y aura beaucoup de menaces de mort. Mais là où moi, vraiment, ça m'énerve vraiment encore là, c'est la France. C'est cette France-là. C'est cette France-là que nous sommes tous fiers de brader nos passeports rouges aujourd'hui, que je suis française. Oui, voilà, je peux rester en France, je suis française. Mais en réalité, que nous rapporte cette nationalité française? En réalité, que nous rapporte la France, nous, les binationaux, là, nous, les tribus, comment on appelle ça? Oui, on va dire ça comme ça. Que nous rapporte vraiment cette nationalité? À quoi nous sert d'être française en tant que gabonaise, en tant qu'africaine? Bénéficions bien à quoi nous sert même d'être de prendre même les nationalités d'ailleurs, si ce n'est que vivre peut-être dans ces pays, parce que si je suis française et que je suis en France, je vais arrêter de payer des cartes de séjour qui coûtent à peu près 150 ou 200 euros, ou je vais arrêter. Mais lorsque je suis dans mon pays ou bien lorsque je suis en danger à l'étranger, à quoi me sert la double nationalité? Et c'est là où est manqué. Moi, je ne parle pas du pouvoir PDG. Les amis, venez dénoncer que le PDG a commencé, c'est dire que nous sommes les enfants. Nous savons bien comment le PDG fonctionne. Ils ne vont pas s'arrêter aujourd'hui parce qu'il y a un Rokoula, parce qu'il y a un Claire Newman, parce qu'il y a un Stéphane, parce qu'il y a un qui, il y a un qui. Ils ne vont pas s'arrêter. Leur problème, c'est que c'est de nous effacer, c'est de nous éliminer, parce que nous sommes, nous, quand je parle de nous, je parle des activistes, nous sommes les personnes qui empêchent ce gouvernement d'agir librement sans pourtant avoir des personnes qui viennent leur dénoncer comme nous le faisons. Donc, notre problème n'est même plus à dire que vous regardez ce que le pouvoir en place fait, parce que nous savons comment le pouvoir en place, comment Bongo et son gouvernement fonctionnent. Mon problème, c'est l'ingérence de la France. Mon problème, c'est la France. Chère France, j'ai lu quelque part ou j'ai écouté quelque part que M. Macron va se rendre au Gabon. Que M. Macron va se rendre au Gabon en 2023. Que vous allez organiser Ngaba. Quoi, sommet de quoi en 2023 au Gabon avec Ali Bongo Ondimba? Ah, pays de droit. Ah, monsieur Macron, avec autant d'injustice au Gabon, avec autant de criminalité dans notre pays, vous, monsieur Macron, prenant la liberté, étant dans un pays démocrate, vous avez quand même le courage de décider de rentrer, de partir et de s'associer à quelqu'un qui ne respecte pas les institutions que lui-même, les institutions de notre pays, à une personne qui n'a même pas de respect pour la loi de son pays, qui ne fait qu'à sa tête. Vous allez quand même décider de rejoindre Ali Bongo, de joindre
je sais même pas, en fait, j'ai même pas envie de trop parler, de rejoindre Ali Bongo, aller au Gabon en 2023, aller valider. Parce que ta présence au Gabon, comme tu n'es pas venu pendant les 7 ans là, tu n'as pas mis pied au Gabon. Maintenant, Macron, aller au Gabon en 2023, c'est revalider. Revalider Ali Bongo en 2023. C'est-à-dire qu'autoriser que Bongo se représente aux élections, c'est permettre que les Bongo se présentent aux élections. Mais nous avons fait quoi à la France? Nous avons fait quoi à la France? N'avons-nous pas réclamé notre indépendance? Ne combattons-nous pas nuit et jour, ou les activistes, ou les leaders, les panafricains, pour que la France arrête un peu de faire son ingérence dans nos pays, de mettre sa bouche dans notre politique, de mettre son nez dans notre politique, dans les politiques de nos pays. Aujourd'hui, il y a un cas, il y a un activiste gabonais, il y a un lanceur, il y a quelqu'un qui veut participer, si tu veux m'y attendre, s'il te plaît. Il y a un lanceur d'alerte gabonais, un activiste, qui a la double nationalité. Qui a la double nationalité, c'est-à-dire qu'il est gabonais, il est français. La logique voudrait que si je suis menacé en tant que gabonais et que la deuxième nationalité a une représentation dans mon pays, je peux m'y rendre et demander qu'on me protège dans ce pays-là. Mais vous, qu'est-ce que vous faites, la France? En fait, vous ne servez à rien, vous ne servez que vos intérêts, comme on le sait tous. Vous ne servez que les intérêts de la France avec les intérêts du Gabon. Mais vous n'avez aucunement l'intérêt de protéger les populations ayant la double nationalité. Peu importe le pays où nous sommes, du moment que nous soyons africains. Ah, monsieur Macron, aujourd'hui, Raymond Rukula est en danger. Que reprochez-vous à ce garçon? Que reprochez-vous à cet homme? Que reprochez-vous à cet Africain? Que reprochez-vous à ce Gabonais? Si ce n'est que le désir... Le désir que lui, il a de voir aussi son peuple pouvoir être libre comme le peuple français. De voir son peuple jouir des richesses de son pays. Parce que, à ma connaissance là, vous et moi là, Raymond Rukula, ou tous les activistes gabonais, aujourd'hui je parle de Christian Raymond Rukula, il n'a tué aucun gabonais. Il n'a dépouillé aucun bien gabonais. Et de surcroît, il n'a volé aucun trésor ou encore aucune économie de notre pays. Mais c'est parce que, comme vous voulez toujours asservir le peuple gabonais et les Africains, dans l'optique si un fait, si on attrape un, vous avez commencé, ça sont des menaces. Ça veut dire que là, vous commencez déjà à imposer les menaces, un rapport de force. Et ainsi, lorsque la population verra que, moi, je ne vais pas faire comme Rukula, vous avez vu, il a commencé à parler ici, parler. Maintenant, il est en prison, pardon. Moi, je ne veux pas aller en prison, pardon. Moi, je n'ai pas de parents. Mes parents sont pauvres. Et puis, vous allez commencer à semer. Vous avez commencé à semer le doute. Vous avez commencé à semer la peur. Mais sachez que il n'y a que des tocards qui auront peur de vous. Il n'y a que des idiots qui auront peur de nous. Les personnes comme nous ou bien comme les Marocoula, nous avons déjà vendu nos âmes à la mort. Nous avons déjà été tués. C'est-à-dire que nous sommes là comme ça, nous avons déjà été tués pour la liberté de notre pays. Nous allons combattre, peu importe, nous allons vous dénoncer. Nous allons toujours parler, parce que ne pas parler, c'est vous cautionner. Ne pas parler, c'est valider. Et nous ne sommes pas avec vous, nous ne validons pas vos actes. Nous ne validons pas des actions, des injustices à travers vous, la France, que vous commettez dans notre pays. Oui, chère France, aujourd'hui j'ai mal parce que j'ai la nationalité française, mais je me rends compte que cette nationalité ne me sert à rien. Je me rends compte que cette nationalité m'est bénéfique qu'en étant ici à l'étranger. Mais si je vais dans mon pays et que je suis en danger, cette nationalité ne me sert à rien parce que vous, la France, vous serez encore les premiers à pousser mon pays de me mettre en prison. Vous, la France, vous serez les premiers à autoriser les présidents de mon pays de me mettre en prison parce que pour vous, ça vous arrange que je sois derrière les barreaux. Ça vous arrange que Raymond Rukula, Bernard Rukula soit derrière les barreaux. Ça vous arrange que les lanceurs d'alerte africains soient arrêtés parce que vous voulez continuer à faire ce que vous avez eu à faire pendant plus de 300 ans. Vous voulez continuer toujours à garder l'Afrique sous votre joug de pauvreté et d'esclavagisme, chère France. Nous n'avons pas peur. Moi, je n'ai pas peur. Hein. Je pense que vous m'écoutez depuis longtemps que je n'ai pas peur de mourir. Et je n'ai pas peur de représailles. Parce que, à ce que je sache, je ne fais rien de mal. Je ne fais rien de mal si ce n'est que réclamer le droit. Si ce n'est que réclamer un état de droit. Je vais bloquer que je ne vois pas. Maman, si je le vois là, je vais le bloquer. Donc, aujourd'hui, mes chers compatriotes,
Je sais que dans notre pays, quand le malheur arrive à d'autres personnes, on ne s'intéresse pas. Nous sommes tous un peu trop égoïstes. Nous sommes un peu trop égoïstes, peuple gabonais. Nous avons un frère qui est en danger de mort aujourd'hui. Ce garçon, ou bien cet homme, ce frère-là, n'a rien fait de mal. Si ce n'est que parler pour votre bonheur, ce n'est pour parler pour nos intérêts, nos droits. Nos droits autant que nous sommes. Moi, j'ai appris ça qu'avant-hier, hier soir. J'ai appris ça que hier soir. C'est-à-dire que ça pouvait passer là si je ne venais pas vraiment sur Internet encore là. Je n'allais même pas savoir ça. Je n'allais pas savoir ça. C'est hier soir, en naviguant, comme dit les gens, que je me vagabondais sur les réseaux sociaux un peu hier soir, que je vais un peu regarder. Et là, je tombe, je dis que merde. Merde. Pour que quelqu'un ait la double nationalité. Le pouvoir en place a commencé, 2023 a commencé. Et Bernard Okoula ne sera pas le premier qui sera dans cette petite... Oh, moi-même les marabouts ont vraiment Jésus. Je fais comment? On ne peut pas regarder. Voici les choses comme ça qui nous énervent. On est en train de parler d'un problème. Il y a des marabouts qui viennent toujours là. Allez-y un peu envoûter les présidents africains. Allez-y un peu marabouter les Ali Bongo. Allez-y marabouter Macron. Hein? Allez-y marabouter d'autres personnes. Marc-André Leschamps veut participer. Allez-y marabouter ailleurs. Cher frère, je ne sais pas où il est en ce moment-là parce que moi, personnellement, je n'ai pas de ces nouvelles. Donc, je ne sais pas où il est. J'espère tout simplement qu'il n'a pas déjà été capturé et que sa vie n'est pas menacée actuellement. Si possible, il faudrait, on ne va pas se mentir, nous sommes bien sûr des têtes brûlées, mais les têtes brûlées ne veut pas dire que imprudent, d'accord? Si tu peux, bien sûr, essayer de trouver un moyen d'abord de s'éclipser du Gabon en ce moment-là et trouver refuge ou bien asile quelque part. Jusqu'à ce que le camp soit un peu revenu, plus tard après, tu verras quoi faire. C'est ça comme conseil que je peux te donner. Voilà. Encore là, une fois de plus, moi, c'est ce que je vais un peu essayer d'appeler un peu des pédagogistes. Excusez-moi, mes chers frères. Voilà. Je vais encore vous appeler frère parce que, apparemment, je suis gabonaise. Apparemment aussi, vous êtes gabonais. Apparemment, vous êtes gabonais et nous sommes tous les gabonais. Mais en regardant vos actes, en regardant vos actions, en regardant vos manières, votre façon de se comporter envers vos concitoyens, il y a beaucoup de questions. Nous nous posons vraiment des questions. Quelle est votre réelle motivation à être gabonais? Est-ce que être gabonais veut dire nous devons tous parler, penser comme votre parti? Est-ce que être gabonais veut dire que ce que tu dis est une vérité absolue qui doit être universelle dans notre pays? Est-ce que parce que je suis gabonaise, est-ce que parce qu'il est gabonais, il n'a pas le droit de dire que ça, j'ai vu ça, ce n'est pas bien? Est-ce que parce que tu es gabonais, toi tu as le pouvoir de décider que qui doit mourir et qui doit vivre? Mes chers frères pédagogistes, vous ne pensez pas que votre façon de gouverner, votre façon d'agir et vos actions au pays divisent la nation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en 2023. Vous ne pensez pas qu'il est temps de laisser tomber ces manières, ces actions, cette façon d'agir il y a 7 ans, il y a 8 ans, il y a 10 ans là. Vous ne pensez pas qu'il est temps de comprendre que même ici à l'étranger, même dans les pays occidentaux, même dans cette même France-là qui vient faire des ingérences dans notre pays, il y a des opposants, il y a des activistes, eux ils vont même loin. Il y en a qui vont même à gifler les présidents. Macron a été giflé par un citoyen français. Il y a l'autre même qu'on a versé des œufs. Mais ces personnes-là ne sont jamais menacées de mort comme au Gabon. Ces personnes ne sont jamais menacées de mort comme à chaque fois qu'un activiste, un lanceur d'alerte, un résistant ose dire fort ce qui se passe au Gabon. Cette personne est menacée. Mes chers frères pédagogistes, vous ne pensez pas qu'il est temps d'arrêter? Vous ne pensez pas qu'il est temps de se comporter autrement que par des menaces? Que par des tueries? Vous tuez un aujourd'hui, l'autre sortira demain. Vous tuez un, vous tuez. Combien de personnes avez-vous tué parce qu'on n'est pas d'accord avec vous? Parce que nous ne parlons pas le même langage que vous. Combien de fois vous allez mettre le temps à intimider les gens? À mettre les vies de toute une famille? Rokula n'est pas seul. Il a une femme. Il a des enfants.
Il a une mère, il a un père, il a une famille. Combien de fois vous allez continuer à mettre des familles en deuil? Parce que les gens ne pensent pas. Ça veut dire que seulement par la pensée, si au moins il y avait des actes, mais par de pensée, la personne ne pense pas comme toi. La personne prend la caméra, la personne va filmer, mais cette personne devient une persona grata. Un persona grata, je ne sais plus comment on dit ça. Cette personne devient un paria dans son propre pays. Pourquoi, mes chers frères? Pourquoi? Pourquoi nous sommes obligés d'arriver là pour faire la politique en Afrique, pour faire la politique au Gabon? Pourquoi on doit tuer pour faire la politique au Gabon? Et puis, vous ne voyez pas que la France se sert de vous aussi? Vous pensez que la France vous aime? Vous pensez que la France a trop besoin de protéger vos intérêts? Mais il se sert de vous. Il sème le chaos dans vos pays, dans vos têtes, pour bien profiter de cette guerre que vous allez mener dans votre pays et profiter et tirer profit de la guerre que vous-même, entre Africains, nous allons nous faire la guerre entre nous parce qu'ils tirent les ficelles en bas. Et ils vont tirer les ficelles. Oui, oui, ils méritent la prison. Et toi aussi, comme un chef, tu dis que oui, j'ai mérité la prison. Oui, la France m'a dit qu'il mérite la prison. Toi aussi, tu vas aller faire, tu vas prendre ton frère. Ton frère gabonais, pourquoi la France ne met pas tous les activistes français en prison? Pourquoi la France... Il y a des activistes français. Il y a des activistes français en France. Il y a de la résistance en France. Pourquoi la France, là? Pourquoi Macron ne n'enferme pas ou ne les met pas en danger de mort tous les activistes français? Mais ils viennent parce qu'ils savent que oui, il a parlé de quoi? Il a parlé de quelle entreprise française? Oh oui, mais ça c'est un élément, c'est un dangereux ça. C'est un élément dangereux. Oui, mais c'est le président, il nous fatigue un peu là. Bon, écoute, hein, il a la double nationalité. Bon, oui, écoute, nous on va rien faire. Hein, mais vous savez, c'est entre vous là-bas. Hein, donc, c'est à vous, nous on vous envoie seulement, nous on vous envoie seulement des voix d'action. Comment vous allez agir? Et vous sans réfléchir. Vous sans réfléchir. Vous allez écouter, vous allez obéir. Vous allez prendre, oui, ils nous ont dit ça. Et puis comme ça, vous allez commencer à mettre vos citoyens en danger. Vous allez commencer à semer la guerre dans le pays. Vous allez commencer à semer le trouble dans le pays. Parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui, soi-disant, vous soutiennent. Soi-disant, vous donnent le pouvoir, vous donnent des armes pour vous entretuer, pour tuer vos populations. Pourquoi ils ne s'entretuent pas? La France a des armes, pourquoi ils ne font pas la guerre avec les Français entre eux-mêmes? Pourquoi ils ne se font pas la guerre en France? Pourquoi les armes doivent être utilisées pour nous? Pourquoi la manigance doit être utilisée pour nous, cher président Mboku? Il est hors de question que vous menacez les nôtres parce qu'on n'est pas d'accord avec vous. Parce qu'aujourd'hui, si on va aller regarder sur la page de... Ah, ma beau téléphone aussi s'est arrêté. De Rokula. À ce que je sache, il a dénoncé. Le chargeur, oh, attendez. Je voulais regarder le truc. Il faut aller sur l'ordinateur. Il a tout simplement dénoncé. Comme toujours, parce que de temps en temps, je regarde ses lives. J'interviens parfois dans ses lives. Il dénonce ce que nous tous, nous savons tous. Vous faites semblant de dire que le pays est développé, mais lorsque quelqu'un va mettre la main sur votre soi-disant développement et vient afficher qu'il n'y a pas de développement au pays, voilà la personne qui doit faire la prison. Vous faites semblant de dire que le pays va bien, mais lorsque quelqu'un vient montrer aux autres du monde entier que c'est faux, ce qu'on vous dit là que le pays va bien, normalement ça ne va pas bien, c'est la personne qui doit faire la prison. Pourquoi nous on doit faire la prison à votre place? Savez-vous que s'il y a des personnes qui doivent faire la prison, c'est vous? S'il y a des personnes qui doivent aller en prison, qui doivent aller à la haie, à ces pays-là, c'est vous? PDGIS, la plupart, bien sûr, c'est vous? Parce que vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas pour un commun, pour un bonheur commun. Vous ne réfléchissez pas pour un intérêt général. Il n'y a pas l'intérêt général dans vos bouches. Il a dénoncé Perenco, exactement. C'est l'entreprise que j'ai cherché le nom, merci. Il n'y a pas d'intérêt général dans vos bouches. Perenco, c'est qui? Parlons-en. Perenco, c'est qui? C'est la France. Voilà. Et pourtant, la personne qui dénonce Perenco, là, est a la double nationalité. Mais l'ambassade de la France, là, n'est pas censée me protéger, moi qui suis binationaux. Il faut que boule même.
Cette ambassade n'est pas censée me protéger. C'est-à-dire que je peux décider de dire que si le Gabon me met en danger, je peux essayer d'aller avoir refuge dans mon deuxième pays, auprès de mon deuxième pays, que protéger-moi. Mais si l'ambassade du Gabon, de la France, rejette ses ressortissants français, oui, nous sommes des ressortissants, les ressortissants français, bien qu'étant gabonaises ou africaines, nous sommes aussi françaises. En fait, là, le Gabon ne devait même pas être un pays. Oui, revoyez les départements de la France. Vous devez mettre, vous devez inclure le Gabon comme un département de la France, comme à l'époque, parce que nous n'avons jamais reçu l'indépendance. Parce que qu'on m'explique comment un pays indépendant, comment un pays qui a sa constitution, qui a sa loi, doit forcément être commandé par un autre pays, doit forcément être dirigé par un autre pays. C'est la France qui doit dire au gouvernement gabonais et africain, c'est-à-dire les 14 pays francophones, comment diriger leurs citoyens. Alors nous ne sommes pas des pays indépendants. Nous ne sommes pas des républiques. Vous devez nous ajouter. La France, vous devez reconstruire comme tout récemment l'année dernière. Là, vous avez refait la carte de la France, effacée. Effacez cette carte, recommencez à zéro. Remettez les 14 pays africains comme département de la France. Comme il y a les outre-mer, là. Remettez-nous aussi outre-continent de la France. Ou outre-pays de la France. Nous sommes français. La façon dont la France gère dans nos politiques et dans notre économie, c'est impossible. La façon dont la France décide de qui doit mourir, qui doit vivre en Afrique, ça devient, ça craint. Ça craint pour nous la jeunesse africaine. Et c'est pour ça, ils ont peur de cette nouvelle génération. Ils ont peur de cette nouvelle génération qui ne se laisse plus faire. Ils ont peur de cette nouvelle génération consciente. Qui a compris que non, il est hors de question que je sois esclave dans mon pays. C'est pour ça qu'ils vont tout faire. Mes amis, ils vont tout faire pour emprisonner, pour arrêter, pour mettre hors d'état de nuire toutes les personnes qui dénoncent, qui sensibilisent. Il y a un mois ou deux mois, si je ne me trompe pas, lorsqu'on fait un live sur qui je vous avais plus ou moins affiché un truc, une publication, où on nous avait appelé depuis le Gabon, en passant par un parent qui a un membre là-bas, la DG, vous appelez ça comment, la DGSI, quelque chose là-bas, qui est dans les services secrets du Gabon, qui nous appelle lutement en disant que va dire à ta, je t'ai vu faire le lave avec cette folle-là. Sache qu'elle fait partie des 10 personnes, des 5 premières personnes à arrêter, à battre au Gabon. C'est-à-dire que moi-même, c'est-à-dire que même là où je suis là, j'étais étonné. Je disais, mais c'est pas possible. On ne peut pas avoir la haine envers sa population comme ça. On ne peut pas détester ses citoyens au point de dire, c'est-à-dire que vous êtes même fiers de dire que Claire, Yann, Tal, Baraboukha, Rokula, Jonas, et qui, ce sont des personnes qu'on doit mettre hors d'état de nuire. Vous ne pouvez pas avoir un tel développement, c'est-à-dire que dans vos têtes, vous ne pouvez pas avoir autant de haine. Autant de haine envers vos concitoyens au point de commanditer des meurtres, au point de commanditer des enlèvements, au point de mettre vos concitoyens hors d'état de nuire. Qu'on a nuit qui? Que ces personnes ont nuit qui? Que Rokula a nuit qui? La nuisance là, c'est quoi? Vous appelez hors d'état de nuire. Nuire à quelqu'un, c'est d'aller dénoncer les injustices. Nuire à quelqu'un, c'est réclamer un état de droit. Mais vous n'avez pas dit que nous sommes une république régie par une constitution ayant des lois. Ah, attends, pardon. Jess, prends-moi le mouchoir. Je n'ai pas le temps de bloquer les marabouts. Pardon. Ma fille n'est pas là. C'est elle qui est parfois administrateur de ma page. Donc, quand je vois un, je bloque. Je suis un peu enrhumée là, même en même temps aussi. Mais j'ai un mouchoir très spécial que je ne vais pas montrer là. J'ai un mouchoir de jean. Moi, j'ai fait des choses bizarres. Voyez-vous, mes chers tous,
Mes chers compatriotes gabonais, aujourd'hui, c'est Rukula qui est en danger. Hier, c'était notre compatriote aussi qui est décédé. Après, c'est Bertrand Zibi. Vous avez même vu tout récemment qu'ils ont publié un courrier comme quoi Bertrand Zibi ira voir le PDG aujourd'hui, on va dire. Vous voyez que toutes les mesures sont mises en place pour que le parce qu'au Gabon, il y a deux côtés. Le côté gabonais, les Gabonais qui sont du côté de la justice, parce que nous sommes du côté de la justice. Les Gabonais qui refusent de se soumettre. Les Gabonais qui veulent que Gabon soit vraiment au Gabonais. Parce que c'est ça déjà la première chose. Je ne parle pas de Gabonais au Gabonais autochtone. C'est-à-dire que tout Gabonais se sentant Gabonais. Et lorsqu'on regarde même aujourd'hui même, vous pouvez voir même qui peut avoir les Sénégalais, il peut avoir les Maliens ou autres étant Gabonais, ils s'en foutent complètement de ce qui peut se passer dans leur pays parce qu'ils sont pas, ils ne se considèrent pas Gabonais. Par contre, regardez le sens inverse. Vous êtes des Africains, beaucoup d'entre nous, nous sommes à l'étranger. Vous allez voir que s'il y a des problèmes politiques en France, beaucoup des Africains vont intervenir parce qu'ils sont français, parce qu'ils se sentent français. Parce qu'ils se sentent concernés par les problèmes de ces pays. Mais beaucoup d'étrangers de notre pays ne le font pas. Parce que pour eux aussi, ils ont peur. Mais bon, je peux bien comprendre. Je peux bien comprendre ce côté-là. Je peux bien comprendre. Je ne suis pas d'accord, et j'ai toujours dénoncé la France ici. Je ne suis pas d'accord que la France continue à se mêler des problèmes, des problèmes politiques de notre pays. Je ne suis pas d'accord que la France continue à mettre sa bouche, son nez dans les problèmes de notre pays. La France, nous sommes partenaires. Je l'ai toujours dit ici qu'on doit être des partenaires. Nous ne sommes plus des enfants où c'est la France qui doit venir décider qui doit faire quoi, qui doit faire quoi. Nous ne sommes pas des enfants. Nous avons reçu notre indépendance, soi-disant, en 1960. À partir de là, je pense que nous avons le droit, nous avons acquis le droit de faire de notre pays ce qu'on veut. Nous avons le droit de gérer notre pays avec les défaillances qui existent, sans pour autant avoir un certain pouvoir venant d'ailleurs. Comme on le remarque, regardez l'exemple au Mali. Et c'est la même chose. 2023 arrive. Je vous jure qu'en 2023, il y aura encore mort d'homme. Parce que 2023, même si certains Gabonais disent que moi je ne sors plus parce que je ne vais pas aller mourir. Mais je vous jure qu'il y a d'autres Gabonais qui n'ont plus rien à perdre. 2023, il y aura mort d'homme. Parce que Bongo va toujours utiliser la même technique. Parce que c'est la technique que l'oppresseur, l'impérialiste impose. La technique de la peur. Faites-les peur. Une ou deux personnes, tuer deux ou trois personnes, ce n'est pas grave ça. Le reste va se taire. Lorsqu'ils vont voir deux ou trois têtes à terre, ils vont se taire. C'est la technique qu'ils ont utilisée en Côte d'Ivoire. C'est la technique qu'ils utilisent au Mali et c'est la technique qu'ils vont utiliser au Gabon. C'est semer le trouble. C'est faire en sorte que le peuple ait peur. Le peuple ne puisse pas s'élever. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Parce que venir se répéter les mêmes choses là, les amis, c'est lassant. Mais on va quand même se répéter. Le Gabon, il est à nous. Nous, peuple gabonais, jeunesse gabonaise, jusqu'aujourd'hui, depuis le boom pétrolier, nous n'avons jamais bénéficié ni de près ni de loin du développement de notre pays. Dois-je vous rappeler qu'une femme sur 10 ou même une femme sur 5 meurt lors des accouchements au Gabon, manque des infrastructures. Mais que vous, la France, vous donnez l'assurance gratuitement aux Français. Même aux étrangers, ils ont l'assurance. Mais nous, au Gabon, on n'a pas ce droit-là. Mais si un activiste, un lanceur d'alerte vient se mettre dehors pour parler, pour dénoncer des défaillances des hôpitaux, il doit être hors d'état de nuire. Why? Pourquoi? Pareil, on va parler des entreprises,
Les entreprises comme Total, les entreprises comme des magasins comme Secado, des magasins qui ne payent pas, des magasins qui maltraitent les employés. Parce que depuis longtemps, je vous avais dit qu'il y a une sœur, qui est une Gabonaise qui était venue me parler, j'ai même oublié, qui était venue me parler d'une entreprise qui fait souffrir des employés au Gabon. Mais si cette personne, bien si j'aurais pris ce dossier, est venue me mettre ici et parler de ce que Secado, comment Secado traite des employés, comment Total traite des employés, et que j'étais au Gabon, j'aurais été en hors d'état de nuire. On aurait cherché à me tuer. On aurait cherché à me nuire. Parce que tout simplement, j'ai voulu dénoncer ce que beaucoup d'employés gabonais vivent. Beaucoup de citoyens gabonais vivent dans vos entreprises françaises. C'est-à-dire que même quand ils sont employés dans vos soi-disant organisations, ils sont toujours pris, traités comme des chiens errants, comme des esclaves. D'autres n'ont même pas de salaire. D'autres ne peuvent même pas se reposer. Mais s'il y a l'un d'eux qui a le courage d'ouvrir sa bouche et de dénoncer ce qui se passe dans mon entreprise, il est hors d'état, il devait être hors d'état de nuire, menacé, tué. Pourquoi? Alors qu'ici, il y a des syndicats, ou des syndicats, ou syndicats, bref, prenez un. Vous créez des organisations aussi pour lutter contre ça. On a vu l'année combien, 2020-2021, les gilets jaunes. À cause de l'augmentation du pétrole, un pétrole que vous, la France, vous ne produisez pas. Un pétrole qui vient de nos pays. Mais ils ont quand même fait la bagarre sur ça, sur quelque chose qui ne les appartient pas. Mais imaginez-vous, nous qui produisons ce pétrole-là. Imaginez-vous, nous qui produisons cet or-là. Ce papier que vous avez, les papiers cahiers là, le bois là. Imaginez-vous, nous, on n'a pas le droit de parler. Nous qui sommes les autochtones, nous qui sommes les producteurs de tout ce que vous, la France, vous avez le droit de réclamer ici. Vous avez réclamé le pétrole ici, que l'augmentation du pétrole. Et là, vous avez le pétrole. Non. Mais parce que pour vous, vous reconnaissez que c'est trop cher. Vous ne pouvez pas payer ici. Mais pourtant, ces gens-là ne savent pas comment vous faites pour aller voler ce pétrole-là dans nos pays. Ils ne savent pas quelles sont les manigances que vous mettez en place, comment tuer les populations autochtones pour avoir ce pétrole, cet or, pour venir donner, pour que eux demain puissent sortir gilet jaune. Il y a trop l'augmentation du pétrole, il y a trop la cherté. Mais ils ignorent d'où ça sort. La personne qui voulait participer redemande, s'il te plaît. Jusqu'à quand, mes chers tous? Nous sommes à l'ère de la mondialisation, certes. Beaucoup disent que non, le Gabon ne peut pas fonctionner sans les partenariats extérieurs. Mais là, je suis désolée, ce n'est pas un partenariat. Ça ne s'appelle plus un partenariat. Pourquoi vous ne partez pas faire la bagarre là-bas? Vous avez fait la Russie. Vous savez dans quel pays faire votre chose? Parce que c'est le Gabon. Donc, je suis maintenue de savoir que Macron va mettre pied au Gabon en 2023. Ça veut dire qu'on n'est pas quand il voyait qu'il y avait chaud chaud. Hé, hey, la France manipulateur. Mieux vous m'enlevez la nationalité là. La France manipulateur. Parce qu'ils savaient qu'au début là, les 7 dernières années ou les 6 dernières années, lorsque Bongo a triché là, vous avez vu Macron au Gabon? Est-ce que vous avez vu Macron au Gabon? Parce qu'ils savaient qu'à cette époque là, ça chauffait. Parce qu'ils savaient que ça n'allait pas. Parce qu'ils savaient que aucun pays n'avait validé Ali Bongo. Mais comme ils sont hypocrites et qu'ils savent très bien que le Gabon, c'est la plateforme centrale de la richesse de l'Afrique, et donc ils ne pouvaient ni dire publiquement que nous ne sommes pas avec Ali Bongo, ni dire publiquement que nous sommes avec lui, ils ont joué le jeu de sous-marin. Sylvie, ils ont joué le jeu de sous-marin. Là, 2023. l'année des élections, que Macron décide d'aller au Gabon. Oui, il va nous revalider la présence d'Ali Bongo Ondimba. En fait, Macron s'en fout. Et nous aussi, nous tolérons, nous acceptons. Parce que nous sommes habités par la peur. Je peux nous comprendre. Nous tous, moi-même, là, parfois, là, quand mes frères m'appellent que arrête un peu, tu as trop fait, tu as trop dénoncé, il est temps de s'occuper de ta famille. Parfois, il m'arrive de réfléchir, de m'asseoir, je reste tranquille. Je dis que ouais, je ne parle plus des choses du Gabon. Je vais rester calme, faire en raison. Je gagne quoi là?
à part parler, même si au retour, vous là, les mêmes là, vous m'insultez matin, midi et soir, parce que moi, je suis dans vos bouches là, comme le comme on avait ça, on avait ça comment, le cure-dent. Je dis que je vais m'asseoir, je ne parle plus. Tu vas aller t'asseoir comme ça, tu regardes comme ça, les injustices, c'est pas, je dis que, hey, si moi aussi je me tais, Seigneur, si moi aussi je me tais, qui parlera pour nous? Si nous aussi, non, on se tait, on a peur, qui parlera finalement? Ce sont ceux qui vont gagner. C'est pour ça, de temps en temps, même quand tu dis que je m'occupe pas pour moi, quand tu vois comme ça, dis que si je me tais, si on se tait, si nous tous, on reste silencieux ou silencieuse, qui fera? Si à l'ère de l'esclavagisme, que dans la rébellion, là, que tout le monde avait peur dans certains esclaves-là, et ils étaient pour les maîtres, et même certains esclaves même qui partaient encore dénoncer nos frères, hein, que demain, là, ils vont fuir demain. Si les gens de tête dans l'époque de l'esclavagisme auront aussi pensé comme ceux qui avaient peur, là, nous ne serons pas aujourd'hui les esclaves libérés. Mais parce qu'il y avait eux, il y avait dedans qui pensaient que je suis un être humain, je méritais ma liberté. Donc, peu importe le danger, je dois aussi. Pour eux, ça dit qu'ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas cherché à avoir la liberté pour eux-mêmes, mais pour la suite et pour la génération future. Voilà pourquoi, de temps en temps, je ne peux pas me taire parce que je pense à moi. De temps en temps, je dois parler. Pas pour moi, pour la génération future. Pour ceux-là qui ont peur de parler. Parce qu'ils n'ont pas peur de parler parce qu'ils ne veulent pas parler. Ils ont peur de parler parce qu'ils n'ont pas envie de mourir. Mais comme moi, j'ai décidé de mourir, là, moi, la mort ne me fait pas peur. Donc, je suis obligée de temps en temps de dire non, non, non. Vous ne me faites pas peur. Vous ne nous faites pas peur. De la même manière, tu as eu un chromosome et des ovules pour te mettre au monde. De la même manière, j'ai été aussi fabriqué ou fécondé de la même manière. Toi, tu n'es pas passé par je ne sais pas où. Il n'y a que Jésus qu'on a soufflé dans le ventre. De la même manière, il y a eu un homme, une femme pour te mettre au monde. De la même manière, on a eu le même processus, 9 mois de grossesse. Tu n'es pas passé par autrement, tu n'es pas une haleine. Donc, il est hors de question que je sois assujetti, que je sois ton esclave, que je sois ton minable, que je sois ton marchepied. Parce que pour toi, c'est moi qui t'ai donné le pouvoir. Quand je parle de moi, peuple, qui t'ai donné le pouvoir de gérer mes ressources, de gérer mes finances. Il est hors de question que toi, je te donne le pouvoir pour gérer mon pays, mais toi, tu veux utiliser ce pouvoir-là pour me ôter la vie, ou bien pour m'ôter la vie. Non, vous n'allez pas le faire. Rokula n'a rien fait. Peronko n'a pas le droit de faire ce qu'il fait, comme les Sekadeïs, comme la plupart des choses qui se passent dans notre continent. Nous n'allons plus nous taire. Ça veut dire que nous taire, c'est de vous valider. Hey, c'est le combat des titans. Nous sommes dans le combat des titans. Vous avez bien sûr le rapport de force des armes. Et puis, bien sûr, quelques traites de nos groupes. Oui, parce que dans partout, il y a un peu de traites. Il y a beaucoup de traites. Donc, quelques traites de nos groupes là. Donc, beaucoup viendront toujours nous trahir. Mais c'est le combat des titans. Vous tirez, on tire. Vous tirez, on tire. Parce que si on ne vous faisait pas peur, vous ne serez pas là en train de menacer nos confrères. Vous ne serez pas là en train d'emprisonner nos frères et sœurs. Si on ne vous faisait pas peur, si on n'était rien dans cette société-là, vous savez que cette société-là, il y a des gens qui vous font peur. Ce sont des lanceurs d'alerte. Ce sont, parce que vous savez qu'on peut bouleverser un pays. C'est nous, les activistes, les résistants, les panafricains. C'est nous. Nous sommes votre plus grand cauchemar. Et nous le serons à vie. Nous sommes votre plus gros et grand cauchemar, les présidents africains et les présidents occidentaux. Vous l'avez si bien fait avec d'autres, les plus grands, les panafricains, là. On ne parle même plus de Nathalie ou bien de... Mais ça ne va pas s'arrêter. On l'a vu avec notre frère l'année dernière, là. Le président de Power, là. Pareil, parce qu'il est seulement allé faire un discours devant l'institution française. Comme il s'appelle, j'ai oublié son nom, rappelez-le-moi. Qui a créé Power, là? C'est pas assez. Prends ma demande, envoie, s'il te plaît, je n'ai pas vu. Envoie ta demande, renvoie la demande. C'est parti. Il est hors de question
Renvoie la demande. Qui demande? Renvoie la demande alors. C'est général. Attends, je vais voir. Tu n'as plus la caméra. Reviens. Refais la demande. Il est hors de question que des êtres humains... Renvoie la demande, je ne vois plus. Que les êtres humains et que chaque État indépendant puisse suivre les règles de notre État. Cette France qui est le roi ou la reine des droits de la démocratie autorise à ce que les présidents africains, je vais parler en l'occurrence de mon pays, le Gabon, tuent, emprisonnent les citoyens qui ne font que réclamer la justice. Et c'est cette même place, cette même France-là qui va se déplacer, gounda. Aller valider une momie, un président qui vomit, un président qui a la bave, un président qui est même incapable. Allô? Oui, bonjour, grand sœur. Comment tu vas? Privat Ngomo, oui, c'est ça. J'avais oublié son nom. Comment tu vas? Oui, mais pourquoi ils mettent en audio? Pourquoi ils me mettent en audio? Quand tu as accepté, en audio, repars alors, reviens. Toi, il y a deux acceptations. Il y a accepté audio ou accepté caméra. Tu as accepté en audio. Non, ils m'ont seulement envoyé l'audio, maman. Ils m'ont seulement envoyé que l'audio. Dis-moi, le monde m'a fait. Toi-même, tu sais que j'ai rien à faire. Là, YouTube, là, ni. Tu me le demande, s'il te plaît. Ok. Bien, Zoko Baba Abe. Ok, Nza. Bien, Toura, Benimina, des voleurs, des voyous, des bandits, des porapes. Il faut que les Gabonaises sortent à Paris. Demande à tes sœurs de sortir. Peut-être que tu es ma queen. À Claire, ça, quoi, n'est pas à Paris. Bien, il y a une folie à ces gens. Mais sérieux, tout ça, c'est la flance. Comme dit souvent ma petite sœur, c'est la flance qui est derrière tout ça. Exact. Qui rit là? Tu ris que quoi? Parce qu'on n'a pas autre chose à faire, quoi. Les rires, comme toujours. Les enfants de 2016 qui ont été tués, c'est les rires, ça. Ça recommence. Ils menacent tout le temps les gens, c'est à rire, ça. Le Gabon, c'était un Eldorado, mais ça ne va pas dans vos têtes, chers Gabonais. Vous êtes fous, quoi. Un petit pays de moins de 2 millions d'habitants, vous vivez comme des rats, dans des trois. Pas de route, pas d'eau. Il n'y a rien du tout, pas de logement. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien pour vous. Et quand nous, on essaie de faire des lives, on fait des lives tout semaine, on vous dit que sortons, on demande à ces militaires-là de prendre le pouvoir de faire le vent des 5 colonels du Mali. C'est nous qu'on prend pour le Sormiti. Mais quand même, vous aussi, quand même, vous laissez une Marocaine qui n'a jamais porté de bébé venir vous gérer et vous allez traiter que Baran nous sortit, vous allez traiter que Clément nous sortit, vous allez vous dire que nous sommes des folles. Mais ça ne va pas, là. Je suis tellement énervée. Pardon Claire, mets-moi en vidéo. Ressors alors, ressors. Et puis comme ça, j'essaie de t'envoyer la demande. S'il y a d'autres personnes qui peuvent. Attends, je renvoie encore. Parce que je sors. Ressors. S'il y a d'autres personnes qui veulent participer, le live peut prendre jusqu'à 4 personnes. PH, si tu veux participer, tu rentres. Donc, nous disons non, nous disons stop à l'ingérence de la France dans nos pays africains, surtout au Gabon. Nous disons stop. La France n'a pas été capable de respecter les mesures qu'on avait, que l'Union européenne avait votées en 2016-2017 contre Ali Bongo Ondimba. La France n'a pas le droit, Macron n'a même pas le droit de mettre pied au Gabon. Parce que lorsque nous avons sollicité, nous avons fait les demandes, que ce soit dans le monde entier, pour qu'Ali Bongo soit puni, Ali Bongo soit condamné, cette même France-là a validé Ali Bongo comme président. Aujourd'hui, malgré Mongze, c'est pareil. Voilà, on me voit bien. On me voit bien. Donc, expliquez-moi bien. Qu'est-ce que Rekoula a fait? Oliringuima, je dis, hein, Oliringuima, tu ne peux pas prendre le pouvoir comme Mali. Il paraît que tu es général. Donc tu es général d'une femme qui n'a jamais porté le tac. Regarde le ventre là. Le ventre là, c'est porté des enfants. Sylvia n'a jamais fait de bébé. Même pas chez lui, elle n'en fera pas. Vous voulez. Comment je peux dire ça? Donc, Rekoula, c'est maintenant celui que vous avez mis à l'icône. Le petit, comment on appelle le petit jeune du haut Togo là, qu'ils ont pris aussi parce qu'il a dénoncé le système de Sylvia. Ils ont mis le petit là en prison.
Donc, on ne peut, au Gabon, on n'a plus le droit de parler. Au Gabon, on ne peut plus dire que comment une femme qui n'est même pas gabonaise, que la constitution gabonaise n'a pas mis de place, c'est-à-dire que la constitution gabonaise ne la reconnaît pas du tout. Notre constitution ne lui donne aucun droit. C'est elle que vous laissez gérer le Gabon. Atarazamouan, Seigneur Jésus-Christ. Olingema, m'bimenouanou, aussi là. Aussi qui femme. Minga, so ailleurs. Une femme qui n'a jamais porté de bébé. Mais toi, Olinga, tu as des enfants. Tu es une femme. Tu as des enfants. Mais Sylvia Bongo, ni rien que par sa peau. Il y a Wabisi qui m'a. Non, il faut dire. Ça bug un peu. Voilà. On doit seulement fermer les yeux. On doit seulement fermer la bouche. Et fermer la bouche. Attends, la gang. Et ce que tu dis, c'est que certaines personnes, hein, il y a un... Attends un peu. Combien? Ce qui me tue, ce qui me fait mal au cœur, c'est que certaines personnes pensent que parce qu'on a la nationalité française, qu'on peut se taire parce que la France vient faire des choses dans notre pays, on n'a pas le droit de parler. Cet argument qui me dit, mais tu es française, donc, parce que je suis française, que vous pensez que c'est un don que la France me fait en étant française, c'est un don. Vous pensez que c'est un homme? Comme je suis française, la France a le droit de tuer mes frères. La France a le droit d'emprisonner mes frères. Et parce que je suis française, je vais avoir peur, je vais me taire. Parce que j'ai la nationalité française. Est-ce que c'est un homme qui me font? Même si c'était un don, dis-moi d'abord, est-ce que le français veut bien? Est-ce que les Français eux-mêmes? Il prend la nationalité de notre pays, mais pourtant ces pays-là ne viennent pas commander la politique de leur pays. Il y a des Français qui sont anglophones, il y a des Français qui sont américains. D'où on a vu les États-Unis venir commander la France? D'où on a vu la Russie venir commander la France? Mais c'est chez nous que la France doit décider. C'est chez nous que les entreprises françaises doivent faire n'importe quoi au Gabon. On n'a pas le droit de dénoncer. C'est non, quoi? Non et non. Madame, cette fois-ci. Nous sommes pas les Gabonais, sortez, on se retrouve tout à Paris. C'est ça qui dit. Quand on va sortir, on va tuer. C'est la menace. Comment donner à nous qui sommes à Paris? Non, nous qui sommes à Paris, vous n'avez que ces gens-là n'ont qu'un seul langage, c'est tuer la population. Vous ne pouvez pas discuter avec nous parce que nous, le peuple, on ne demande que discuter. Qui a déjà fait demander un pourparler, un référendum, le gouvernant contre le peuple? Exprimons-nous. Vous nous avez déjà demandé qu'on va s'expliquer comme ça. Nous, là, le peuple que nous sommes, nous allons vous dire ce que nous voulons. Non, vous ne voulez pas discuter parce que vous savez que vous n'avez pas d'argument, vous n'avez pas des éléments de langage de parler avec le peuple. Votre seul argument... C'est la dictature. Moi, je ne parle pas beaucoup. Quand je me suis connectée, comment tu l'as cherché, Madoune bien se va scandaliser à Paris. Il faut descendre à Paris. Non, sérieux. C'est on en a marre. Regarde comment est-ce que la France est en train de cautionner ce qui s'est passé au Tchad. Et ça s'est passé au Gabon en 2016. Voyez-vous, c'est un cycle. Ça a commencé au Congo. En 2016, après c'est venu au Gabon. Après maintenant, là, bientôt vient au Tchad. Tuer les gens en pleine journée. Et puis, ils vont faire passer comme si c'était de rien du tout. Et nous, on est là en train de regarder. Écoutez, quand ça se passe chez le voisin, il faut savoir que ça va aussi se passer chez soi. Les Africaines là, celles qui me suivent, on s'en fout de nos nationalités, nous sommes des Bantous. On doit se retrouver à Paris, là. On va bouger ces chefs de bétail. D'accord? Dire Emmanuel Macron que ça suffit maintenant comme ça. À bas la France-Afrique. Parce que c'est la France tout justement qui est le malheur. Exact. À bas la France-Afrique. Moi, quand mon défunt grand frère me le disait, essaie d'aller remettre ton réseau, ça a bloqué. Allô? Allô, allô? Suzanne? Allô? Je pense que ça a bloqué. Reviens plus tard. Hein?
pense que ça a bloqué chez elle. Donc, comme vous connaissez déjà notre grande sœur Suzanne, elle, c'est quelqu'un d'action. Voilà, c'est une personne d'action. Elle, c'est toute action. Pour les gens qui sont à Paris, moi, je ne peux pas me rendre à Paris. Je suis ici, je suis seule avec mon enfant. Donc, je ne peux pas me rendre à Paris présentement parce que nous sommes encore en période scolaire. Pour ceux qui sont à Paris, si vous pouvez faire une marche, une manifestation, il est temps que, même si ça fait peur de temps en temps, voilà, ça n'a rien à voir avec les voix de 2016, mais je pense que de temps en temps, lorsque un des nôtres se trouve dans une situation inconfortable, hein, parce qu'il a tout simplement pris sa caméra ou bien parce qu'il a dénoncé les injustices, nous devons nous lever et crier haut et fort que nous ne sommes pas d'accord avec les techniques ou les actions ou les toutes les intimidations que la plupart des pouvoirs en place utilisent. Donc, essayons de lever la voix pour certaines personnes qui sont au Gabon, autres, même ceux qui sont au Gabon. Vous pouvez aussi vous lever que non, je ne vois pas, j'ai regardé, je pensais qu'il devait y avoir une manifestation, une marche. Non, il n'y a rien. Donc, non, c'est bien beau de faire des postes là. Vous êtes là-bas au pays, on a tous peur. Hein? On a tous peur. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il est vandame. On a tous peur, mais la différence, c'est savoir contrôler sa peur. La différence, c'est surdépasser sa peur. Quand tu dépasses ta peur, il n'y a rien qui te fait plus peur dans ce monde-là. C'est-à-dire que tout le monde a peur. La peur, c'est un sentiment naturel. La peur, c'est un sentiment naturel. Je vois des gens qui disent que vous allez envoyer les pauvres enfants se faire tuer. Mais les amis, on va toujours mourir. On va toujours mourir. Ici, il n'est pas question d'aller se faire tuer. Parce qu'eux-mêmes, là, c'est ce qu'ils attendent, c'est qu'on reste silencieuse. Mais si vous sortez, si on se lève pour dire que personne ne touche à notre frère, personne ne touche à Rokula, personne ne touche même pas à un activiste, peu importe, parce que Rokula n'est pas le seul, on vient de me dire qu'il y a un autre aussi à Port-Gentil. Donc, ils sont nombreux comme ça. Vous ne touchez pas à nos frères, parce que ces frères-là, ils n'ont pas pris l'argent de l'État, ils n'ont pas tué les gens, ils n'ont rien volé, ils ont fait tout simplement leur devoir d'enfant du pays. On se doit, c'est notre devoir, les amis, c'est notre devoir. Être activiste, être résistant, être truc, ce n'est pas seulement venir se parler. Ce n'est pas seulement venir prendre la caméra. Nous sommes sur les réseaux sociaux pour parler parce que moi, je ne saurais être au Gabon. Pour de toute façon, vous savez que si j'étais au Gabon, je serais déjà enterré depuis longtemps. Tout le monde le sait. Si j'étais au Gabon, soit je serais en prison déjà là-bas, tous les prisonniers mourront déjà, Tamayam ou Tayam, ou je serais déjà morte. Parce que moi, je suis désolée, je ne peux pas rester silencieuse lorsqu'il y a des injustices dans mon pays. Il est hors de question. Et une injustice aussi flagrante que je vois, c'est-à-dire que je vois dedans là qu'il y a la main noire de la France dedans, je ne peux pas me taire. Je vois la main noire de la France dedans, je ne peux pas me taire parce que la France me fatigue à sa manière de commander le Gabon. La France me fatigue à sa façon de vouloir toujours parler des problèmes africains. La France me fatigue à cause de ça. La France n'est pas le seul pays au monde à avoir colonisé l'Afrique. Mais c'est la France toujours qui est toujours là, partout, toujours à parler de nos problèmes. Ah, l'armée là-bas, la France n'est pas le seul pays à avoir fait. Les Anglais ont aussi colonisé l'Afrique, les Allemands ont aussi colonisé l'Afrique. Mais pourquoi il n'y a que la France là qui doit venir commander pour nous, qui doit décider? Moi, je suis fatiguée de ça. C'est ce qui m'énerve. Mais pour les Bongos là, on connaît les Bongos. On connaît les Bongos. 2023 arrive, la momie là viendra encore. Et c'est vous, le peuple, vous allez valider. Voilà pourquoi moi, j'ai dit l'histoire des artistes là. Je vois comme si c'est un appel au 2023. Vous allez venir me donner raison aussi. Vous allez venir me donner raison aussi. Vous me traitez toujours de folle, non? Vous me traitez toujours que je parle, j'aime clasher les gens. Dans mes clashs là, les vérités sont dites dedans. Vous allez venir me dire vous allez venir me donner raison aussi. Parce que 2023, c'est des personnes qu'on a tiré rassemblées là qui vont vous appeler que allons-y voter encore là. La momie qui vomit partout, qui a la bouille, qui sort machin là. C'est une momie là qu'on vient nous imposer. C'est les mêmes bongos qu'on veut nous imposer. C'est-à-dire que même la France, qui est un pays démocrate, veut continuer à nous imposer quelqu'un qui va faire avec son père. Ils vont plus faire plus de 50 ans au pouvoir avec son père, eux-mêmes seuls, 50 ans. C'est-à-dire que la France, même Macron même rend malade. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous êtes pressé d'aller tuer Kadhafi là-bas, non? Vous avez tué Kadhafi là-bas, Kadhafi, non? Bon, à l'époque, je l'appelais Kadhafi, excusez-moi. Mais maintenant, là, pourquoi vous ne faites pas la même chose avec celui-là? Vous ne faites pas la même chose avec notre momie là, pourquoi? Notre momie qui a tué les Gabonais en 2016, là. Notre momie qui, jusqu'à aujourd'hui, les Gabonais continuent à mourir des crimes rituels. Les Gabonais continuent à souffrir comme ça. Le Gabon, c'est comme ça. Comme ça. Les jeunes filles aujourd'hui sont obligées d'aller donner, et les garçons, donner le corps à gauche, à droite. C'est-à-dire que quelqu'un qui a bac plus 5, quelqu'un qui a étudié, il n'espère même pas avoir un poste sans passer par quelqu'un. Mais c'est ce même gouvernement que toi, Macron, tu veux planter deux pieds mescrons là. Tu veux t'y rendre au Gabon. Mais qu'est-ce qui t'a empêché pendant tout le septennat d'Ali Bongo? Qu'est-ce qui t'a empêché de s'y rendre là?
qui part en 2023 parce que c'est calculé. Vous voulez nous faire avaler encore cette momie? Mais vous n'avez pas pitié des Africains? Vous n'avez pas pitié du peuple gabonais? Et c'est vous qui vous plaignez si on vit en France? C'est vous qui vous plaignez de l'immigration? D'immigration, vous avez fait l'immigration choisie? C'est vous? Vous laissez mourir des Africains dans les bords, dans les océans? Parce que vous partez semer vous-même, vous partez cabiner des gros caca nerveux, vous mettez des idiots et des bâtards au poste de gouvernement. Et c'est ces mêmes idiots-là qui tuent le peuple, la population, ces mêmes populations qui veulent tuer, trouver refuge dans vos pays, vous les laissez encore mourir. Qu'il y a quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même vous pouvez tuer un, on vous a dit ça ici. C'est-à-dire, quand vous avez commencé, lorsque vous avez tué Balena, du Burkina Faso, là, il s'appelle comment? Sankara. Vous avez vu que ça s'est arrêté. C'est parti de là que l'exemple devait commencer. Si vous commencez à tuer un Africain parce qu'il vous tient tête, parce qu'il défend ses convictions, et que malgré ça, il y a d'autres Africains qui continuent à sortir, vous continuez à tuer, il y a d'autres qui sortent. Ce n'est pas mieux que vous trouviez une meilleure solution de pouvoir se comporter envers ces Africains-là. Parce que vous ne pouvez jamais, vous ne pourrez jamais tuer tous les Africains. Parce que dans les Africains-là, il y en a, peu importe même s'ils ont fait les études ou pas. Parce que les valeurs, ce n'est pas les études. Les études ne donnent pas les valeurs. Il y a des gens qui ont BAC+50 et la morale est basse. Mais les valeurs d'un homme, c'est les valeurs intrinsèques que la personne naît avec. Vous ne pourrez jamais tuer toute la jeunesse africaine. Vous ne pouvez pas. Même moi qui ne parle pas bien français, là, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas m'intimider. Vous pouvez m'amener même les chars comme ça, me voir comme ça, Macron. Je suis un électron libre. Je suis un électron libre. Personne ne m'impose ce que je dois dire. C'est pour ça qu'avec mes compatriotes dans la résistance, ça n'a pas trop marché. Parce que je suis électron libre. On ne me dicte pas ma conduite. On ne me dicte pas. Je ne suis pas venu sur terre là pour être dicté, être commandé. S'il y a des règles, les règles sont établies pour que toi, tu les respectes, je les respecte aussi. Si tu ne respectes pas les règles, pourquoi tu veux que moi, je les respecte? Ah, toi aussi, hein? Hein? Si toi, tu ne respectes pas les règles, pourquoi c'est moi qui dois les respecter? Je ne suis pas, moi je ne fais pas partie de ces personnes-là obéissantes. Ce n'est pas que je suis têtue, mais je ne suis pas une obéissante. Lorsque je sais ce qui est bien, le bien et le mal, c'est faire la différence entre le bien et le mal. Il est hors de question que moi là, je vois que ça, ce n'est pas bien et puis je vais te suivre parce que j'ai peur. Et mieux je meurs, mais je meurs digne et libre que de vivre comme une esclave où tu ne peux plus t'exprimer. Voilà pourquoi je n'appartiens à aucun groupe politique. Parce qu'appartenir à un groupe politique, c'est de m'enfermer et enfermer mes idées. Et enfermer mes convictions. Les groupes politiques, tu ne peux pas t'exprimer comme tu veux. Tu ne peux pas parler comme tu veux. Il y a toujours quelqu'un qui vient dire que non, pour ça, on doit tenir la feuille de route. Et c'est pour ça que je préfère être électron libre. Parce que, au moins, ce qui sort de ma tête vient de moi. Et je n'ai de compte à rendre à personne. Ça veut dire que ce qui sort de ma tête, où je suis en train de faire le live contre la France, là. Si demain, je dois payer des pots cassés, je suis fière de payer des pots cassés parce que ça vient de moi. Et c'est la même chose que je dis, la France, on en a marre. On en a marre de ton ingérence dans notre pays et dans notre continent. Moi, j'en ai marre. Tu sais très bien que quand je parle de la France ici, et je parle de la France politique, hein, parce que vous, il y a beaucoup ici qui ont des neurones aussi retardés comme ma petite tête là. Je parle de la France politique, je parle de la France gouvernante. Je ne parle pas parce que les Français, eux-mêmes là, il y a des macayas comme nous dedans. Il y a beaucoup de macayas. Nous tous là, on est de souffrance de la France. Mais je parle de cette France politique qui fait la politique variable. Quand on tue les... Comment s'appelle le pays qui est en guerre avec, la Russie, là? Hein? Donnez-moi son nom, la Pologne. Quand il y a la guerre en Russie, là-bas, ouais, la Grèce, donnez-moi le nom, là, pardon. Moi, je ne retiens même pas ces gens-là, bizarres, là. Là, la France a le droit d'accueillir des réfugiés de guerre de ces pays occidentaux. Là, c'est normal, c'est une immigration normale. Voilà. Quand la Russie vous fait la guerre ici, là, vous avez peur. Là, c'est normal, vous devez les accueillir. Mais quand nos connards, les imbéciles, les présidents africains tuent les Africains et que nous, on veut venir ici, là, vous savez faire, vous savez établir les lois. À ce moment-là, la France sait écrire. Le français doit connaître, là, en ce moment, la France, Ukraine, merci beaucoup. À ce moment, la France sait à quel moment qui doit être réfugié de la France. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à établir les règles. Quand c'est les Africains que vous-même, vous commettez, vous-même, vous partez faire des complots pour nous tuer. Et quand nous, on vient se réfugier ici, non, voilà l'Ukraine, là. Je vous dis que même chez moi, j'ai recevé les mails, si je peux accueillir. J'avais assisté à une conférence
Parce que vous savez, dans ma maison là-bas, je faisais parfois le Airbnb. Donc, il y a le patron de Airbnb là. Ils ont fait conférence. Il y a des conférences qui se passent par groupe. Donc, du coup, j'avais assisté mon Congo ça, conférence de Airbnb. On va accueillir les Ukrainiens gratuitement dans nos maisons parce qu'ils sont en guerre. Qui a accueilli les Africains gratuitement ici en France? Parce que nous sommes en guerre depuis la nuit des temps. Voici cette injustice-là qui m'énerve avec la France. Et pourtant, c'est flagrant délit. Mais c'est toi quand même qui vas prendre tes deux pieds là. Tu vas t'y mettre quand même dans les pays où tu sais qu'il y a la guerre. Où tu sais que les présidents tuent. Mais tu vas quand même s'associer avec eux. Tu vas les valider. C'est toi qui as entendu que vous allez punir Poutine. Toi, Macron, la France, on doit vous punir aussi. Qui punit la France avec tout ce que vous faites en Afrique? Qui a puni la France? Actuellement, on va punir la Russie. On va punir Poutine, l'Ukraine, machin. Mais qui punit la France? Qui va punir la France? Avec toutes les guerres que vous engendrez en Afrique, avec toutes les guerres que vous engendrez dans notre continent, qui va vous punir? Vous, France. Il faut aussi vous poser la question. Avant de punir la Russie, il faut d'abord toi-même commencer par te punir. Parce que toi, les morts que la France a créées en Afrique, ça dépasse ce que l'Ukraine a subi par rapport avec la Russie. Là. Il y a des milliers, des millions de morts que toi, la France, tu n'as jamais payé. Alors commence déjà par te faire payer toi-même avant d'aller demander justice ailleurs. Et moi, je dis ici que, chers frères africains, chers frères gabonais, ce n'est pas parce que c'est activiste que vous avez dit qu'il n'avait qu'à fermer son téléphone. Ce n'est pas parce que c'est un activiste que vous avez dit que quelqu'un l'a envoyé parler. Non! Il parle parce que toi, tu ne peux pas parler. Et donc, il mérite le soutien. Rokula mérite le soutien parce que demain, c'est pour toi. Il ne s'est pas levé pour lui. Il travaille à Perenco. Est-ce qu'il travaille à Perenco? Non! Mais il a fait pourquoi? Pour toi, peuple gabonais. Et j'appelle aussi à mes frères et sœurs activistes de pays africains autres. Arrêtez aussi votre hypocrisie là. Lorsque les activistes gabonais sont en danger, vous devez aussi vous lever et nous soutenir. Moi, je ne vais pas faire semblant ici. Hein. Parce que beaucoup des activistes africains, lorsque vous êtes arrêtés, vous êtes emprisonnés, nous, le Gabon, on se lève, on vous soutient. On est avec vous. On fait de l'art pour vous. Et lorsque c'est le Gabon, il y a un silence. Je sais qu'il y a des activistes en Côte d'Ivoire. Il y a des activistes au Cameroun. Il y a des activistes au Congo. Il y a des activistes au Togo. Il y a un de nôtre aussi qui est activiste gabonais. Aujourd'hui, il est menacé. Il n'est pas menacé seulement que par les Gabonais. Il est aussi menacé par la France. Cette même France-là où il est la double nationalité, cette même France aussi, il menace aussi. Oui, c'est ça la vérité. Hein? Il faut dire la vérité. Il est aussi menacé par la France parce qu'il a la double nationalité française et la France ne veut pas le protéger. Parce que si la France n'avait rien à faire, il devait protéger son ressortissant. Il devait dire que non, comme il a la double nationalité française, venez vous réfugier en France et puis on vous paye le billet, on vous renvoie vite en France, on va vous protéger. Ah non, 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 quand c'est pour nous appeler, est-ce que vous pouvez accueillir des habitants? Vous pouvez accueillir les Ukrainiens? Faites un don à l'Ukraine. Hé, hey, qui a fait un don au Gabon? Qui a fait un don au Gabon? Qui a soutenu les Gabonais en 2016? Nous sommes à 2 millions, hein? Chers humanitaires, nous sommes qu'à 2 millions de population et encore, ça c'est vraiment un chiffre élevé. Donc imaginons les 2 millions, combien de personnes sont mortes en 2016? Qui nous a porté secours? Qui même de vos chaînes publicitaires ou ma chaîne nationale, qui a parlé de nous ici? Je parle des populations françaises. Qui? Même la France, même les Français aussi, vous êtes aussi un peu hypocrite, chère France. Vous êtes aussi un peu hypocrite, égoïste. Tout pour vous, rien pour les autres. C'est-à-dire que c'est vos malheurs qui vous intéressent. Les malheurs des autres ne vous intéressent pas. Vous ne savez pas que d'autres pays vivent aussi le malheur? Quand on vient ici, vous pensez qu'on vient pourquoi? Hein? Si c'était un Français qu'on attrapait là-bas, au Gabon là-bas, le monde entier allait suivre ça. Le monde entier allait savoir qu'il y a un activiste français qui est menacé au Gabon. Si c'était un activiste français qui est comme ça, on devait suivre. Même les chaînes de la NASA devaient en parler. Même les chaînes de quel pays? De pays imaginaires devaient en parler. Mais quand c'est l'Afrique là, on n'en parle pas. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va continuer à être comme ça? Jusqu'à quand? Il y a un respect, on doit avoir un respect mutuel entre populations. Mais jusqu'à quand c'est seulement une seule communauté qui doit se faire petit pour vous? Que quoi? Que tu donnes la vie, ça veut dire que là où je respire, là, je respire à cause de l'air d'un Européen. Je respire l'air d'un Occidentaux. Ça veut dire que même si où je suis chez la reine Elisabeth, là, il me dit que toi qui fais le bruit dans mon pays, là, sors, je sors avec dignité, je peux aller mourir avec Ali Bongo Ondimba là-bas, tu m'en fous.
Parce que ce n'est pas, je ne suis pas venue à l'exil. Maintenant, l'exil m'a trouvé ici. Mais je ne suis pas venue ici en exil. C'est comme vous, vous voyagez aussi. Vous voyagez, cher peuple, peuple français. Vous voyagez beaucoup. Et vous vous rendez dans les pays des gens. Et on vous respecte là-bas. Et on aimerait que ce respect soit mutuel. Nous, le peuple africain, nous avons marre. On en a marre. On en a marre de subir. On n'en peut plus. Ça, ça arrive ici. Les misères ne font que s'accroître. Les misères ne font que s'accroître. On quitte d'une misère à une autre. On quitte d'une misère à une autre. On quitte d'une solution à une autre. C'est quoi? Ça veut dire que 2023, on est en train de dire que 2023, on va voir un peu dans l'opposition qui on va essayer de valider là-bas parce que si, n'est pas allé voter, c'est aussi valider que bon, on va se dire que ben voilà, il n'y avait personne en face de moi, donc j'ai gagné les élections. Donc nous, on est en train de regarder qui contre l'opposition sera qui. Donc on est là. C'est Sylvia Bongo. Ça veut dire que quand vous regardez l'état mental ou l'état d'esprit physique de celui que vous appelez président Ali Bongo, là, vous voyez que c'est un homme. Entre nous, Macron, l'homme qui a vomi, qui a bavé là, vous voyez que cet homme, c'est un être humain. Mais vous aussi, pourquoi vous êtes cupide comme ça? Entre nous, chère population mondiale ou mondiale, ils ont mis à dire Ali Bongo là. Mais il y en a, vous voyez qu'Ali Bongo là, c'est un être humain. C'est encore un homme vivant qu'on va dire que 2023, on va encore le revalider. Mais on sait très bien que ce n'est pas Ali Bongo. Vous allez valider Sylvia, et Sylvia c'est qui? Sylvia c'est tous les, toutes ces personnes de Baba Perenco et toutes ces personnes, même les connards des pédagogistes qui sont au gouvernement ne sont même pas informés de ce qui se passe parce que la plupart là-bas, ce sont les ratés mentaux. Ce sont les gens qui réfléchissent que je vais avoir demain, comme il dit ça. On a vu tout récemment 160 millions de francs CFA décaissés. Pourquoi? Pour de la merde. 160 millions, c'est là, ceux qui sont au gouvernement là, ne pensent que recevoir ces miettes de 160 millions. Et quand ils tombent malades, où ils vont se soigner? C'est à l'étranger. Parce que si les 160 millions qu'un individu peut prendre pourrait construire des hôpitaux, des universités, il y a de fortes chances que vous n'allez pas mourir à l'étranger, vous allez mourir dans votre pays. Mais parce que vous êtes incapable de prendre cet argent et investir dans les infrastructures de votre pays pour que, enfin, qu'au Gabon puisse. Hey, au Gabon, il y a un hôpital de dernier cri là-bas. Mais impossible. Impossible. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous préférez prendre l'argent là et garder et s'associer avec la France. Tant que je maintiens la France au pouvoir, je pourrais continuer à avoir mes 160 millions de temps en temps. Sylvia continuera à me donner un peu. Et puis le reste, on s'en fout. Paix à son homme, je touche pas. Tout récemment, j'ai entendu qu'il y a la femme d'un grand ministre qui est mort avec un malaise. Mais s'il y aurait eu, vous voyez comment vous allez aussi mourir. Je ne suis pas d'accord. Moi, je me réjouis pas le malheur des gens. Hein. Mais après, je ne connais pas la personne. Mais s'il y aurait eu à Makoku. S'il y aurait eu à Makoku des infrastructures ou des hôpitaux ou de personnel formé pour des cas d'urgence, des premiers soins, hein, elle ne serait pas morte. Elle ne serait pas morte. Si vous aurez mis dans chaque province, de quoi ça dit que quand quelqu'un est malade, formez les gens, formez les populations, donnez l'instruction aux gens, vous ne mourrez pas vous-même comme ça, comme les chiens et les rats. Vous saurez que dans un pays, la santé et l'éducation, ce sont les facteurs deux d'abord, les deux facteurs premiers qu'on doit investir. Parce que demain, je vais tomber malade. Il est hors de question que j'aille me faire soigner à l'étranger pour une petite toux. Mais alors, si tu es dans ton pays, tu tombes malade, tu pars, tu as des médecins qualifiés, des médecins gabonais africains, formés dans les universités africaines, gabonaises, et qui vous prennent en charge, vous gagnerez mieux. Hmm? Mais non, bande de bâtards que vous souffrez. Alors, celle-là aussi, je ne vais pas trop durer. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait une heure et plus. Cela est tout simplement pour dire que notre frère Bernard Christian Rokula est menacé de mort par la France et Ali Bongo Ondimba parce qu'il a dénoncé l'entreprise Perenco ou Perenco ou Périmé. Bref, un truc comme ça. Donc, il est menacé. Malgré sa double nationalité, la France ne le vient pas en aide. La France ne le protège pas. Donc, la France le condamne à mourir en tant que Gabonais. La France le condamne de mourir parce qu'il a mis sa bouche dans les affaires qui ne lui regardent pas, c'est-à-dire les affaires de la France. Parce que c'est la France
seule qui doit se mêler de nos histoires. C'est la France seule qui a l'autorisation ou le droit de décider qu'il doit mourir, revivre au Gabon avec le Bongo. Oui, j'assume mes propos. Je ne suis pas comme vous. Hein. Moi, je suis cabri mort. Certes, j'ai des enfants, ce n'est pas grave. Ils pourront rester orphelines. Mais j'assume mes propos. Et je dis ici qu'il y en a marre. Il y en a marre de voir la France décider et agir librement dans notre pays avec des faux présidents qui l'installent. Il y en a marre de cette mascarade politique dans nos pays africains. Il y en a marre de cette ingérence de la France dans notre continent, et surtout dans mon pays, le Gabon. Bongo est mort depuis 2018. Celui où la momie, où l'énergumène, où l'individu qui circule ne s'appelle pas Ali Bongo, ce n'est pas Bongo. Alors, 2023, il est hors de question que vous nous ramenez la même sauce de 2016. Quant à mon frère, je ne sais pas où tu te trouves aujourd'hui. J'espère tout simplement que tu te sens bien là où tu es. Si tu écoutes mon live en cachette où tu es, papa, Cocole Bat, essaye de quitter l'environnement où tu es. Essaye de t'éloigner de là où tu es. Essaye de venir nous rejoindre quelque part ici haut. Essaye d'aller au Cameroun. Mais enfin, trouve la solution sur mon regard. Parce que les gens-là, une fois ils ont un œil sur toi, ils ne vont pas te laisser. Ils vont peut-être demain t'accoucher aussi que toi aussi tu es complice de quel attentat comme ils ont fait avec Bertrand Zibi. Comme ils ont fait avec qui? Ils vont aussi t'envoyer des armes quelque part là-bas. Ils vont venir mettre un complot comme ils ont fait eux-mêmes avec Alianga. Même si, bien sûr, il n'est pas de mon bord politique, mais je sais forcément que Alianga se trouve en prison par un complot. Voilà. Donc, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils n'aiment pas quand on le tient tête. Ils n'aiment pas quand on dénonce. Le monde entier ne doit pas savoir ce qui se passe. Les gens meurent, c'est normal. Les gens souffrent, c'est normal. En fait, il n'y a que nous qui devons souffrir. Il n'y a que nous qui devons mourir. Le reste, là, c'est normal. C'est la logique de leur politique. Vous voulez se plaindre pourquoi? Nous sommes nés pour mourir. Et ce sont eux qui doivent décider quand est-ce nous devons mourir ou quand est-ce nous devons vivre. Alors, des exceptionnels ou des rares personnes comme nous qui disons non, je ne suis pas né pour être sur le joug ou l'esclavagisme, excusez-moi pour Molière, de quelqu'un. Je préfère mourir libre que de vivre dans la servitude. Ce sont ces personnes qui sont menacées. Et ici, c'est notre frère Bernard Christian Rokoula qui est menacé. Nous devons faire une grande manifestation. Quand je dis nous, ceux qui sont dans les pays pour faire, peuvent le faire. Je suis bien sûr en UK et surtout à Manchester. Je ne connais pas les Gabonais ici. Donc, il n'y a pas de forte chance que je me retrouve à crier seul à Piccadilly, free, Gabon, seul avec mon panneau là-bas. Personne ne va comprendre parce qu'il faut qu'il y ait un impact. Il faut que les gens comprennent. Il faut que, voilà, comme le Gabon est maintenant, comme au Wet là, si c'était peut-être en Angleterre là-bas, mais bon, ici là, je vais aller m'asseoir au Piccadilly là-bas. Ils vont comprendre là que free. Il faut les gens autour de ça. Donc, ceux qui sont au Gabon, essayez de faire un truc. Vous devez vous rendre à l'ambassade de France, exiger que la France doit protéger son ressortissant. Voilà. À l'ambassade de France au Gabon. Et ceux qui sont à Paris, comme d'habitude, allez crier auprès de Macron. Pourquoi même pas à l'Élysée là-bas, comme d'habitude. Crier. Ils n'aiment pas le bruit. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir été nombreux sur cela. J'espère tout simplement que vous avez partagé. Voilà, partageons. Et ceux qui ont peur, c'est normal, la peur est un sentiment normal, mais la peur ne doit pas nous arrêter d'agir, la peur ne doit pas nous freiner de sauver les vies, voilà. Toi, tu as peur, tu sais pas que ta peur peut sauver la vie, donc sur des passons, de temps en temps, nos peurs et agissons en bonne essence pour sauver des vies. Je suis Claire Newman, activiste gabonaise, militante des droits de l'homme pour le peuple gabonais en général, l'Afrique et en particulier le Gabon. Je m'insurge ce jour ou ce soir ou cet après-midi ou ce matin contre la France et pour le pouvoir même, je n'ai plus la tête parce que vous savez que je suis contre Ali Bongo au plus profond de mes entrailles. Pas seulement Ali Bongo, mais tout son gouvernement. J'ai vraiment le surdosage de ce gouvernement que je n'arrive plus à respirer à chaque fois qu'il commet des il n'y a plus le français, voilà. Chaque fois qu'ils commettent leur connerie, là. Donc, Mangakakeva, je vais conclure en langue parce que vous savez, j'aime parler aussi en langue pour notre nation.
Nous sommes bien sûr colonisés par la France et tout ça qui nous sert aussi, qui nous maintient aussi en esclavagisme en France, en français, parce qu'on parle français. Et je vais m'adresser aussi à ma population gabonaise enfant, parce que je parle français. Sinon, j'aurais parlé, si l'Afrique avait une langue africaine, j'aurais parlé en langue africaine. Betare benane mborane oui. Mene mwane balena Claire Newman. Mene activiste gabonaise, activiste ahilena, omura kame mine. Mura kama medzuma ya zal. Mavara soy mouye akal mavara yena mama kama lura internet na. Mono gabone ba lena Bernard Rokula. Bako menye yui. Bako menye dji. Bako menye chumimbo. Akal avara ke eko nunga mentena avara ko nunga indindama. Avara ko nunga video. Mama mabima kama lura mura mbongonda ba lena perenko. Ndata ave nunga ba yena wui. Ana avara zile eko mama ten sona. Ndangina nembi anda bo babo mbi ama mama babo mbi ama mama wi ana bo bo nen bo nen ba ju bi bi ah murate balena balena bo bongo ba be pereje be varadina mo nyanga bi bo ilanga vanga bi sema sera e bo ilang mo lova zamo ne le messe ni forme comme du moyaza forme comme du moyaza e bo fo bo fo na bi be nyi wi ah bi te fo zona bi ayunye de bi ayuzanye bi atunye mimbo. Abona mona bete bale yena Bernard Christian Rokula ma vrina an forum mura bilop mais bon bien le bilop na mura mura ko za famé tarda no abi ngongol an ngona yena bon man ngona be nyene ma yemeta an an ver abre ben nationalité bébé ben nationalité bébé bana oto ayon gabon oto ayon sif nya ne forna an ngoni gabon an mura ya gabon ato fena mura ya fala an abona akle fo ko tsire na ne ko tabe bubale na ambassade fala na nya avoir kamanye mo bubaye fala ba na ah bia bia kamadawo ate fo na ate vo na bubaka dzonye na ba yunye ba ka dzon na ba chimi mbo ide me vazi rule e krenye na a ko bia bobo na yo si za bite fo na bita mbo bia blaza fo na no kobo bia blaza fo na rule ate fo na wo rule ba ti wo mbo wo rule ba yiwo abo abo na abo abo na fala mita for mi toto for na ba bia gemena nji 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 nene ya fala ni bale na Macron ane wana nji ya fala ana Macron Macron ay sosiza onvu wali ni bete for na ali rabi evena ngon bari après ngon décembre ngon janvier bete for onvu wali na 2023 ne Macron ay sosiza te bia yema data me di bon mais adu for na ay so ide bia tuna akwe dai ni fona mi tangani ba ji sido biwe bi re sida be ni fe zana okobo biwe bi gbe wo mi zo sida bi ni fe zana okobo bizuma ya zada atara bo bezam abuana yibite fona be kun yibite fona be sa yen sa ne fana ko don inyongo ye yen sa da yen ze nyonga yinyo se be yi ta baga bon fona be ta fona bu be fo be ni dimyawa bu be fo be ni twa yi bu be fo be atara bo bezam bi vona ide ma sira mi wa gabonene me lumese ba ina bia dina mi table ko me fo ma bom abuizun ma ko ma ko ma za ko abuizun ma fo mana me fo ma duma ya gabon ma bla za fo nan ko me yo ma dire na mana atranzam ngama boko ko za ko ko ngam ya ko dia za ko ko za ka kam bien ngam ya kam za yonda za ka kam de rokula va ka ma yon rokula akama yon gabon rokula va du ko akala ngona ya gabon an mura ya ro gabon akama awonya na bu ba ya si jababa ba vumizo mitan bu ba fe ba ba ka ba dim miangwa ina ba awonya na a akala ko no mo mitan ba le na lo alo telephone ina nga ka no anzere di chwa na abo ba zam mitata na ye mi ayem mama mi alu mama ya lo si de mi na wo Maintenant, wow, ça te fait du body. Ça va bon, ou pas bon, là, bicro, oui. Il y a maintenant un vin. Un grand bien, woman, le matin, bien, wonder, bien, wonder, là, un nombre de l'umvanga. Ami, wana, calamura, mourava, comme nous, mourava, comme nous, dindan, ah, comment on dit filmé enfant, oh, moi aussi, mourava, comme nous, ah, téléphone, allo, allo, un dame, un col, à quel con nous, ma photo. Inyanze akre du vu akre de mitan iyo mi awo fona bongo ave yibu mi fo fona bo bi ve yibu ra kan o va yunyanga mi fo fona bo va agbe vo yibu gabonais akalo va zemia ba yibu fona akalo va akobo akal ba nyo za bu basma bintanga ye bongo bandang za nyo bo ve sma ba nyo za iyo wasma une bembi amour
yakalna unamvuri murasa inatabasi ubulenku fonsema ya miyongo ne kwasema yiwa kogong makoza wogong me bakobje wogong yakalna bibiasma bibele nuwa bibisra bensa bisra bensa ya ye mama lursi una boko kosi kolo woko sikolo wa ye mena zam ni na bi unwa nunga koba wana koko ozamu ya bodi sra baba zam ozam ya kemi ya bo si dadi sra baba zam une gabonais même une gabonais il y a quelqu'un de ça ou bien on va dire dit maman torsi et y a un comme comment on a autre me dit il y a quelqu'un de ça you non zame y a quoi y a décidé abon ma y a le nion y a abon ma y a le gu aïe bin la lemi bon zame le cabaman bon dum bon malais mine na bon zal non malais zal faut na ne bouya gabon quel gabon ne faut zal da le bon zal comme une fortune son mais maintenant du bouba kogo mais tout fond en 2023 que le soir bicab la coque vous anna bicab la coque vous anna big vous work vous acri big murasa ne veut vous il de forme à du nom 2003 carbo bobo bico forme bobo lien bel albenin betan mine forme à yoroui bico le fala bobo yor vous m'a jun da balen ambassade de France mico le congo l'onoui bien le congo l'onoui na abo abona ye ba wi mur ya kalmura ko bo ye ba wi mur ya kalmura a wolun ye ba wi mur ya kalmura ba a di denoncer ye ba wol ye ba wi mur ya kalmura sima ye ba wi mur même ba wi ki mur amour bo ba ye no ko bo o ko bo mo ko bo sa ni yon ro ko la va di ko bo ngo wa yem na di ma di minal wo no nye wo na za ma me zo di kan na etumu ya ko bo di na binal voilà ta vérité balle falalena contre vérité ozre ye e vérité ya exam bien en fait mama so exam dama bien akobo le français il faut retourner dans le live après mon frère tu pourras suivre là ils sont en train de traduire tout simplement tout ce que j'ai dit en français donc voilà je vous remercie abora monongoni femme sera encore des français monongoni femme monongoni femme ya me pour me toki monongoni bepuno aya chibanga donc mamuka Zama volant Gabon. Zama volant bon voyage Gabon. Maintenant, encore pas vous. Zama volant Gabon. Zama volant mine. Zama volant bien. Mais quoi? On veut m'y azumi. Mais bon, on tue. Mais tu m'aimes la tue. Mais tu m'aimes la loi. Maintenant, Zam, Rokula. Maintenant, y'a ou. Un l'homme ou mané ou beau. Un souci ou mané beau. Ma y'aime d'av mon ami. Je sais que tu ne comprends pas le fin, mais tu as compris à peu près ce que je veux dire. Je suis avec toi. Je ne sais pas où tu te trouves à ce moment-là, mais sache que toutes mes pensées t'accompagnent et toute mon énergie et ma force t'accompagnent, peu importe là où tu es. Sois prudent, reviens-nous plus tard, au moment opportun, mais cache-toi, s'il te plaît. Ne joue pas au Rambo parce qu'ils vont forcément t'attraper. On te préfère dehors pour 2023 qu'en prison. Voilà. On te préfère dehors pour 2023, s'il te plaît. Donc, sur ce, merci à vous. Merci à vous d'avoir été. Oui, j'ai fait le récap. J'ai fait le récap. Merci beaucoup. Le live a duré une heure. Donc, vous avez compris, le début du live est en français. J'ai pris 5 petites minutes pour parler en ma langue vernaculaire. Oui, c'est l'honneur d'être gabonaise et surtout franc. Si je pouvais parler aussi la langue paternelle, je le ferais. Mais malheureusement, à part les... une injure, deux mots, je ne sais pas trop parler cette langue-là. Donc, je saurais seulement vous dire en cette langue-là, Diboti à tous d'avoir été là. Et sur ce, on se donne rendez-vous dans les jours plus tard. Parce que moi, je suis un peu absente, pas exprès, pas indépendamment de ma personne, mais avec là, dans une heure, je dois me rendre à l'école pour aller chercher à parler la langue anglaise. Donc, entre l'école et tout ça, et mes trucs à côté, j'ai du mal maintenant à venir tout le temps sur les réseaux sociaux. Mais quand il y a nécessité, je pourrais faire des sorties de temps en temps. N'oubliez pas ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, soutenons-nous vivants, ce qui est bien sûr un miracle de la part des Gabonais, de certains Gabonais. Tu as été formidable. Merci beaucoup. On en sommes vous aussi. Vous avez été formidable d'avoir été. C'est rare que j'ai fait les lives le matin, la plupart des temps c'est le soir. Mais bon, c'est le matin parce qu'après 13h30, je suis partie. Il est 13h chez vous, il est midi chez moi. Donc, j'ai une heure après. Je m'en vais aller speak English. I'm going to speak in English, my school today. Bien.
C'est you. Donc, je vous aime bien. Donc, voilà, c'était votre maréchal des opprimés, ministre de la misère, Tata Dérangé. Bush Père, c'est Claire Newman, activiste, militante des droits de l'homme du Gabon. Sur ce, bien des choses à vous. À bientôt.